Et bien salut tout le monde, c'est Mister Jo, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. En tout cas moi ça va super et aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Naruto Blazing pour une petite vidéo détente et invocation bien entendu, comme on les aime. Ça fait longtemps que je suis pas venu sur le jeu, du coup je me suis dit pourquoi pas me connecter et voir un peu ce qu'il y a. Et on a tout simplement des invocations anniversaires pour par rapport à l'ouverture du jeu. Et donc ils nous ont offert des tickets, summon tickets, 55 sur 5. Donc on a de quoi faire. Je sais pas si c'est multi-invocation. Non. J'ai pas l'air. On n'a pas l'air d'avoir des multi-invocations avec les tickets. Donc on va faire avec. On a l'air de pouvoir avoir pas mal de persos d'event, genre de Noël ou des trucs avec les cerisiers ou écolières. Alors, le premier qu'on peut avoir, c'est Sakura Haruno, de type Ténèbres. Portée mid, vie 1400, force 1150. Change l'élément d'un ennemi. To skill for 4 turns. Alors, ça les pousse, ça leur fait 4,5 d'attaque. Change l'élément. J'ai pas trop compris. Je vous avoue, si quelqu'un sait, c'est un peu bizarrement dit en anglais, du coup en français je sais pas trop comment le traduire. Soit on change nos propres éléments en celui faible de l'autre, mais ça a pas l'air d'être ça. Ou si on change l'élément de l'adversaire. Je ne sais pas, c'est un des deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hinata Hyuga. En feu. 1200 de vie, 1800 de force. À peu près, mais enfin même 1900. Portée. Courte et 5 d'attaque avec un skill élémental ennemi à portée et le pousse 3 d'attaque sur les autres éléments. Ok, et les pousse aussi. C'est bizarre ce truc là, attaque one skill élémental ennemi. C'est étrange. Ensuite, Madara Uchiwa avec son une armure de shinobi, vie 900. Force 1200, portée très longue, enfin longue. 3,7 d'attaque sur tous les ennemis à portée. Les repousse avec 65% de chance de faire des dommages de poison ou et faire une réduction d'attaque pour 4 tours. C'est pas trop mal. Hashirama Senju de type lumière, portée vaste. Vie 1100, 800 d'attaque. 900 quasiment, c'est pas des DPS. Hein. Alors, 5,8 d'attaque sur tous les ennemis à portée, les repousse et nous donne 30% de réduction de dommage pour 2 tours. C'est intéressant. Et voilà, apparemment. On voit pas Minato et sa femme, mais ils sont sûrement. Allez, c'est parti. Donc on a 55, ça fait 11 invocations. Avec des missions, on peut avoir d'autres tickets. Mais j'ai la flemme de les faire. La flemme. D'accord. Un truc qu'on connaît déjà. Intéressant. Allez, cette fois-ci, encore une rareté 4. D'accord. Shoji. Pour l'instant, c'est que des persos qui datent du début du jeu. C'est parti, allez. Kiba, on va tous les faire comme ça, c'est ça? Apparemment, on va tous les faire. Oh. Agrandir, oui. Ok. Et on va le faire encore une fois. Yes. Voilà. Hop. Hop. Et c'était ça. J'espère qu'on va avoir au moins quelque chose. Au moins un de la bannière. Ça serait cool. Toujours un 4 étoiles. Itachi.
qui était pas trop mal au début du jeu, mais maintenant ça sert plus à rien. Allez, go. Non, toujours un 4 étoiles. On va tous les faire, vraiment. Ça conne. Ok. Soit. Hein. Soit. En tout cas, le 4 étoiles garanti, ça, on a bien compris qu'il était garanti. On n'a pas en dessous. Chauffante. La porte. Maintenant. Ça sert à rien ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est drôle. Ok, ça vient aider. Faudrait une petite Sakura qui se pointe. Ah. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah, Kimimaru? Konohamaru? Oui, je sais pas pourquoi je dis Kimimaru. Ok, plus que 25 tickets. Ça va le faire. J'y crois, au moins un. Deuxième porte, il était quoi avec galère la deuxième porte? D'accord. Ils sont deux galères la deuxième porte. Au moins j'ai pas de doublon. Shikamaru. J'ai pas de doublon, il faut voir le bon côté des choses. Oh purée. C'est parti. Bon, ah d'accord, mais c'est de pire en pire, genre. La prochaine, il passe même pas la première porte. Kaku. Je m'en rappelle même plus dans le manga où à quel moment il apparaît. Allez! Deuxième porte. Espérons que t'ailles un peu plus loin. Troisième. Oh, mais c'est pas possible. Cette arnaque monumentale. Ouais, qui ça met, je crois. C'est ça. Eh. C'est pas comme s'il me restait que deux invocations, il faudrait que le jeu fasse un effort. Il donne la possibilité d'avoir les persos d'event, mais je suis sûr qu'il baisse les taux, un peu comme tous les jeux. Allez-y, hein. Les gars, j'ai même pas envie de vous voir galérer. Oh ! Ok. D'accord, j'ai rien dit. Ils ont pas galéré. Espérons que ce soit quelqu'un de la bannière, s'il vous plaît. Je l'ai pas, mais Inou est en train de faire de la cuisine. Why not? De type feu. Porte timide. Restore 200 à 250 de vie. Réduit les body élémentales de dommage de 25%. C'est pas mal. 4,2 d'attaque sur tous les ennemis à portée. Les repousse. Et 50% de chance de faire une réduction d'attaque pour 3 tours. C'est pas mal. 9 d'attaque sur un ennemi à portée, 14 si l'ennemi a son attaque réduite et le repousse. Ouais. C'est pas horrible, ça passe. Ça passe. Bon, on a eu au moins 5 étoiles sur 10 invoques. C'est pas trop mal, enfin, ça va. Parce que j'ai déjà connu pire, donc ça. Et allez, bien sûr. Je m'attendais à rien pour le dernier, forcément. Ouais, bah ouais. Écoutez, les doublons, ça n'existe pas, apparemment. Oh, you don't have ticket. Yes, I know. Du coup, pour les quêtes... limité. Voilà. On peut carrément avoir des persos aussi. Super Impact Master of Curl. 5 fois. C'est pas mal ce truc là. Ça permet d'avoir quand même les persos. Et voilà les tickets anniversaire. Joue 5 missions dans, en histoire. En normal. Joue une mission normale, Gaiden mission. Ninja Road une fois, juste le jouer. Compléter la Ninja Road une fois.
à chaque fois pour un seul ticket. Complète la cinquième map de la Ninja Road une fois. Débloque Madara Uchiwa Fortitude et Résolution 6 étoiles. Enfin, son habilité en 6 étoiles au moins une fois. Enfin, une fois. Et pareil pour All Living Gazé. Voilà. Je sais même pas qui c'est. Ok. Ok. Bon bah voilà les amis. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment au niveau donjon? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. J'avais aperçu ça vite fait. XP Training, le Prophesied Time. Le maître des traces de pas. C'est vraiment bizarre dit en français. Ça je l'ai pas fait. Il reste 19 jours avec Madara. Rang SS, je pourrais même pas le faire parce que j'ai pas amélioré 6 étoiles, enfin j'ai pas maxé mes persos. Donc. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ashura, que j'ai jamais fait. Disponible dans une heure. Killer Bee, Let's Be Friends, 6 étoiles. Que j'ai jamais fait, il reste 30 minutes. Ouais. Je vais peut-être le tenter. Et je vais peut-être tenter Killer Bee, Master of Curl. Ça pourrait être pas mal. Bon, sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais sûrement faire une deuxième vidéo juste pour Killer Bee. Voilà. En tout cas, si vous avez fait les invocations, dites-moi ce que vous avez eu. Ça peut toujours être sympa de partager ce qu'on a eu dans les bannières. Et je vous dis donc à très très vite pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde.